Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Duplicate Club. Aujourd'hui, nous sommes samedi et le samedi, c'est jour de partie 7 sur 8 à vocabulaire courant. Alors, je rappelle le principe de la partie 7 sur 8, on tire 8 lettres à chaque coup, mais on n'en joue que 7 maximum, on ne sait pas lesquelles. C'est ça la difficulté. On joue 7 lettres maximum avec la prime de Scrabble habituelle si on joue 7 lettres, bien sûr. Si on joue 8 lettres, on a 0 points. Donc on fait très attention à ne pas jouer un mot qui utilise les 8 lettres du tirage. À l'issue de la partie, le traditionnel décodage avec les définitions et les isotopes, sous-topes de chaque coup. Et c'est tout. Je crois que je vous ai tout dit. Donc voilà, comme d'habitude, la partie est déclinée en trois versions, hein, 3 minutes, 2 minutes et 1 minute par coup. Vous faites votre choix, notamment en passant par les playlists de la chaîne. Tout est organisé pour vous faciliter l'accès à votre configuration préférée. Voilà. Eh bien, écoutez, on va démarrer. Je suis en train de réfléchir. Là, je suis allé vite, mais oui, j'ai tout dit, je pense. Oui, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, parlez-en autour de vous. Voilà, je vous le rabâcherai jusqu'à ce qu'on atteigne les 1000. Voilà, 730 là. Allez, je compte sur vous. On compte sur vous. Alors, on va démarrer cette partie. Je vous la souhaite, bien sûr, très agréable. Vous n'avez aucune lettre devant vous. Et voici Suisse S, Tunisie T, Italie I, Venezuela V, Italie I, c'est le deuxième, Égypte E deux fois, et Luxembourg L. Vous jouez avec Suisse, Tunisie, Italie deux fois, Venezuela, Égypte deux fois et Luxembourg. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 78 points. Faites très attention à la solution choisie. Avant de vous l'annoncer, juste une petite précision. Partie à vocabulaire courant, ça veut dire que les mots du top sont des mots de vocabulaire a priori connus. Mais là, ce n'est pas le cas. Sur ce coup-là, il n'y a pas de difficulté. Mais parfois, il peut arriver que la construction du mot ou son emplacement soit relativement compliqué. Ça peut arriver. Ça rentre pas dans les critères de la partie à vocabulaire courant. Donc, il peut y avoir des mots de vocabulaire courant qui sont très difficiles à trouver parce que double appui, parce que construction difficile, etc. Voilà. Donc, je disais un top à 78 points horizontalement en H4. Attention à la solution choisie. Nous posons visiter. V, I, S, I. Le T sur la case centrale. E, E. Visiter, Visiter, en H4, ça fait 78 points. Au reliquat, une lettre, Luxembourg, vous allez la rejeter. Vous rejetez donc le L.
Et voici un nouveau tirage de 8 lettres. Égypte E, deux fois. Votre premier joker, lettre blanche. Italie, I. Algérie, A. Égypte, E. Cela vous en fait 3. Grèce, G. Et Suisse, S. Vous jouez avec Égypte 3 fois. Joker, Italie, Algérie, Grèce et Suisse. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 82 points. Le joker sera un L de Luxembourg, verticalement en 5D. On appuie sur le premier I de visiter. Nous descendons égaliser. E, G, A. Joker L de Luxembourg. Le premier I de visiter. S, E, E. Égaliser. 5D. 82 points. Reliquat, une lettre, Italie. Nous ajoutons Océanie, O. Égypte, E. Algérie, A. Uruguay, U. Égypte, E. Non, pardon. Roumanie, R. Québec, Q. Et Italie I, c'est le deuxième. Vous jouez avec Italie deux fois, Océanie, Algérie, Uruguay, Égypte, Roumanie et Québec. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 98 points. Faites très attention à la solution choisie. Verticalement en 8 H, nous allons poser en partant du T de visiter.
Tiqueret. T de visiter. I-Q-U-E-R-A-I. Tiqueret. T-I-Q-U-E-R-A-I en 8 H. Ça fait 98 points. Une lettre au reliquat, Océanie, on ajoute Suisse, S, Italie, I, deux fois, Danemark, D, Roumanie, R, Norvège, N, deux fois. Vous jouez avec Océanie, Suisse, Italie, deux fois, Danemark, Roumanie et Norvège, deux fois. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un top à 77 points. Verticalement en 11B pour terminer, pour mettre un S pardon, au bout de visiter. Nous descendons, attention à la solution choisie, Ridion. R-I-D-I-O-N. Et le S qui vient mettre visiter au pluriel. Ridion, R-I-D-I-O-N-S en 11B. Ça fait 77 points. Une lettre au reliquat, Norvège. Nous ajoutons Suisse, S. Norvège N, c'est le deuxième. Maroc M, deux fois. Égypte E. Danemark D. Égypte E, c'est le deuxième. Vous jouez avec Norvège deux fois, Suisse, Maroc deux fois, Égypte deux fois et Danemark. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 86 points.
horizontalement en O8. En partant du I final de Tiqueret, nous posons indemne. I de Tiqueret, N-D-E-M-N-E-S. Indemne en O8, ça fait 86 points. Une lettre au reliquat, Maroc. On ajoute Océanie O. Hongrie H. Norvège N. Luxembourg L. Océanie O. Roumanie R, Uruguay U. Vous jouez avec Maroc, Océanie deux fois, Hongrie, Norvège, Luxembourg, Roumanie et Uruguay. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. En 4 points, verticalement en 14J, pour terminer sur le deuxième E de indemne, attention à la place. Nous descendons au nord, H sur la case bleue, O, N, O, R, et le E, le deuxième E de indemne. Au nord, H, O, N, O, R, E, en 14J, ça fait 34 points. Au reliquat, trois lettres, Luxembourg, Maroc et Uruguay. On ajoute Algérie A deux fois. France F. Belgique B. Et Maroc M, c'est le deuxième. Vous jouez avec Luxembourg, Maroc deux fois, Uruguay, Algérie deux fois, France et Belgique. Chrono. Il vous reste 20 secondes.
Le coup est terminé. Attention à la place horizontalement, pardon, pour 50 points. Pour 50 points, horizontalement en A7, de façon à mettre un B devant Rivion, nous posons flamba. F, L, A, M, le B qui transforme Rivion en Bridion et A. Flamba, F, L, A, M, B, A en A7. Ça fait 50 points. Un reliquat de deux lettres, Maroc et Uruguay. On ajoute Luxembourg L deux fois. Égypte E deux fois. Jordanie J. Et Suisse S. Vous jouez avec Maroc, Uruguay, Luxembourg deux fois, Égypte deux fois, Jordanie et Suisse. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Maximum à 124 points, verticalement en 15D pour terminer à droite du H de Honor. Nous descendons jumelles, J-U-M-E-L-L-E, le E final formant E-H-E avec le E, avec le H pardon, de Honor. Jumelles, 15D, ça fait 124 points, pardon. Une lettre au reliquat, Suisse. Nous ajoutons Égypte E, Grèce G, Roumanie R, Italie I, France F, Tunisie T et Égypte E, c'est le deuxième. Vous jouez avec Suisse, Égypte deux fois, Grèce, Roumanie, Italie, France et Tunisie. Chrono.
Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un top à 82 points. Verticalement en 4 H en partant du V de visiter. Nous descendons et en collant à gauche des dernières lettres de égaliser, nous descendons vertige. V de visiter. E, R, T, I, G, E, S. Au passage, on forme E, Ré et Te avec les trois dernières lettres de égaliser. Vertige 4H, ça fait 82 points. Une lettre au reliquat, France, vous la rejetez, donc on rejette le F. Et voici 8 nouvelles lettres. Zambie, Z. Algérie, A. Italie, I. Égypte, E. Belgique, B. Hongrie, H. Océanie, O. Et Tunisie, T. Vous jouez avec Zambie, Algérie, Italie, Égypte, Belgique, Hongrie, Océanie et Tunisie. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 98 points. Horizontalement en C6, on appuie sur le premier I de Bridion. Nous posons Habitier. H A B I T I de Bridion. E Z. Habitier, H-A-B-I-T-I-E-Z en C6, ça rapporte 98 points. Une lettre au reliquat, Océanie. On ajoute Égypte E, France F, Océanie O, c'est le deuxième, Luxembourg L, Uruguay U, Océanie O, c'est le troisième, et Algérie A. Vous jouez avec Océanie deux fois, Égypte, France, Luxembourg, Uruguay et Algérie, chrono.
Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 31 points. Attention à la solution choisie. Horizontalement en D1. On appuie sur le premier E de égaliser. Et pour terminer sous le H de habitier, nous posons attention au mot choisi fouler. F, O, U. L, le E de égaliser, et un deuxième E qui vient former EHE avec le H de habitier. Fouler, F-O-U-L-E-E en D1, ça vaut 31 points. Reliquat de trois lettres, Algérie, Océanie deux fois. On ajoute Tunisie T une fois, deux fois. Égypte E. Uruguay U. Et Xénophon X. Vous jouez avec Algérie, Océanie deux fois, Tunisie deux fois, Égypte, Uruguay et Xénophon. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 57 points. Verticalement en 1D, attention à la solution choisie, en partant du F de foulée, nous descendons fétau. F-O-E-T-A-U-X. Fétau, F-O-E-T-A-U-X en 1D, ça vaut 57 points. Deux lettres reliquats, Océanie et Tunisie, nous les rejetons. Nous rejetons donc le K, le O et le T, pardon. Et voici Kenya, K, Kenya, Luxembourg, L, Portugal, P, Algérie, A, Danemark, D, Algérie, A, c'est le deuxième. Uruguay U et Roumanie R. Vous jouez avec Kenya, Luxembourg, Portugal, Algérie deux fois, Danemark, Uruguay et Roumanie. Chrono.
Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 50 points. Horizontalement en L12. En appui sur le N de Honor, nous posons Punk. P-U-N-K. Punk. P-U-N-K en L12. Ça fait 50 points. Être 5 lettres reliquat, Algérie 2 fois, Danemark, Luxembourg et Roumanie. Nous ajoutons Roumanie R, c'est le deuxième. Venezuela V. Et Océanie O. Vous jouez avec Algérie 2 fois, Danemark, Luxembourg, Roumanie 2 fois, Venezuela et Océanie. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 24 points. Horizontalement en O1 sur le S de vertige, nous posons Valsa, V-A-L, le S de vertige et A. Valsa, V-A-L-S-A en O1, ça fait 24 points. Un reliquat de 4 lettres, Danemark, Océanie, Roumanie 2 fois, que l'on va rejeter. Vous rejetez D-O-R-R. Et voici Tunisie T. Canada C. Océanie O. Yougoslavie Y. Uruguay U. Portugal P, Norvège N et Roumanie R. Vous jouez avec Tunisie, Océanie, pardon, Tunisie, Canada, Océanie, Yougoslavie, Uruguay, Portugal, Norvège et Roumanie. Chrono.
Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 37 points, horizontalement en F3, en appui sur le A de égaliser, nous posons crayon. C-R-A-Y-O-N. Crayon, C-R-A-Y-O-N en F3. Ça rapporte 37 points. Au reliquat, trois lettres, Portugal, Tunisie, Uruguay, on ajoute Wallonie W, Norvège N, Roumanie R, Suisse S. Votre deuxième joker, lettre blanche, vous jouez avec Portugal, Tunisie, Uruguay, Wallonie, Norvège, Roumanie, Suisse et joker, chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 69 points, horizontalement en L2, en double appui sur le I de vertige, le E de tickeré et de façon à mettre un S au bout de égaliser. Le joker sera un E d'Égypte. Nous posons puisère, P-U-I de vertige, le S qui vient au bout de égaliser. Le joker qui est un E d'Égypte, R-E-N-T. Puisère, P-U-I-S-E-R-E-N-T en L2. Ça fait 69 points. Reliquat d'une seule lettre, Wallonie. On ajoute les quatre lettres qui restent. Algérie A, Danemark D, Canada C et Tunisie T. Vous jouez avec Wallonie, Algérie, Danemark, Canada et Tunisie. Chrono. Il vous reste 20 secondes.
Le coup est terminé. Pour ce dernier coup, le maximum est à 33 points verticalement en 10. J, on appuie sur le T de Puiser. Nous descendons. Watt. W, A, T, T. Watt. W, A, T, T en 10. J, ça rapporte 33 points. Voilà qui termine cette partie 7 sur 8 à vocabulaire courant en 17 coups pour un top cumulé de 1110 points. 1110 points. On va aller décoder cette partie tout de suite sans attendre. Allez, jingle. Alors, un décodage en deux temps. Dans un premier temps, on passe en revue les coups de la partie pour voir les isotopes et les principaux sous-topes. Et deuxième temps, les définitions qui défileront à gauche de l'écran. Habituellement, les parties sont décodées en... Il y a trois temps. Il y a les potentialités des tirages à la fin. Mais là, comme on est en des tirages, on a des tirages de 8 lettres, mon logiciel ne permet pas de faire les choses facilement. Donc, je zappe cet aspect-là pour les parties 7 sur 8. Donc, au premier coup, on avait trois solutions à 78. On a visité, qu'on a retenu. Il y avait également vélite et lévite. On verra les définitions, les natures tout à l'heure. Et puis après, sans le V, il y avait iléite à 66. Et ensuite, on ne scrablait plus. Estivé, éveil, ça faisait 26. Alors, le coup suivant, plusieurs possibilités en quadruple sur le i de visiter, donc, et aucune en 11e, ça aurait fait plus de points, hein, puisqu'on mettait visiter au pluriel, même s'il y a une lettre en moins. On avait aiguisé, assiégé et égalisé, on a retenu égalisé pour évidemment le L devant. Et puis les sous-tops à moins 2, c'est en triple, en 8A. Avec siégé ou siégeant. Tijam, ça fait 77 en descendant, donc tijas, tijat, etc. Agité et ES, et puis là vous avez toute une ribambelle de Scrabble à 75 points en mettant un S au bout de visiter et en utilisant le G dans le mot de cette lettre, agréé, assiège, bégué, diégèse, etc., etc. Énormément de 75. Alors ici, on avait le choix entre toqueré et tiqueré. On a retenu tiqueré. Dans les deux cas, ça faisait 98. Sous-top en 8e, aortique et étriqué à 66. Retoqué également, même appui, le T de visiter. Et puis orgiaque sur le G de égaliser, qui fait 66 aussi. Et puis sans scrabler, on avait aréique avec le Q qui triple et le mot qui... Non, le Q qui triple tout seul, pardon, en 10B ou en 10F. Et en D3 à 30 points. Ensuite, alors là, plusieurs solutions, pareil, à 77 points avec le S au bout de visiter. On avait rondin, nonidi, dirion, dignon. On a retenu ridion pour le B devant, bridion. Sous-top, radillon. À 72, radinon également, tout ça sur le A de tiqueret. En D4, dénillon avec 2i et dérision, ça fait 70, tout comme dineron et enduiron en 9 lettres, endurion, girondin, grondin, régnon, etc. Enfin, il y en a pas mal, voilà, ben on arrive à la fin, rendion, tout ça, ça fait 70 points. Alors ici, on a joué indemne à 86, sous-top à 12, pardon, 8 points derrière Mandéen, on verra la définition tout à l'heure. Médimne 74 en C8, dénommé ça fait 65 en F8 et Médimne passe également en O5 et E8 pour 62-61. Alors ici,
Alors, j'ai pas l'outil, mais sur un A, on aurait pu faire hormonal, ça aurait été joli, mais il n'y a pas de A. Honoré, honor, ça faisait 34, avec le H qui triple et le mot qui double. Huron en 6J, ça fait 33. Hué en 10F et pardon, en 6J, ça fait 30. Le coup suivant, on a joué flamba qui formait bridion. Le mot passait également en 15E pour faire HA. À 41, égalé par Mamba, à la même place que le top. Blama en 15H38, qui fait homme, en A11, idem. Fablio, petit recueil de... non, c'est une petite fable. Ah non, c'est un conte en vers. Fablio, en C7, ça fait 38. Fabula, en 15E, et Lamba, en A8, également. Alors, jumelle, ça passe sans le S, bien sûr, sinon c'est 0, on est en 7 sur 8. Jumelé, même place, 102. En C1, on marque 91 avec les mêmes mots formant légalisé. Muselle en 15D, ça fait 85. On a jumelé EES également ici en D2, à 84. Jumelé et jumelle. Muselle en C1, ça fait 77. Jumelle en 13D, 72. Muselle également en 13D, 65. Ensuite, alors là, on a joué vertige à 82, sous-top à moins 1, avec flamba AT en forme tigré pour, en descendant, ça fait 81. Registre en M2, 72. Et estafier, ergatif, figeat, frégate, respectivement, ça fait 71 et 66 points sur le A. De égaliser. Alors, habiter sur le i, du coup, 98, seul Scrabble, donc à pas rater. Sous-top Zeta en 6J à 68. Bélier en D4, ça fait 52. Baiser en O1 ou boisé, ça fait 51. Foulé égalé par floué. Le F qui double, le mot qui double et puis le H qu'on récupère avec la collante, ça fait un score intéressant, 31. Et puis beaucoup de solutions à 27 points en B2, des mots de 5 lettres avec le F. Loufa, foule, foula, floué, floua, ça fait 27 formant AH, le A triple dans les deux sens. Alors le F de foulé pour aller jusqu'au triple, on a fouteux ou féto. Féo également, mais ça fait 6 points de moins que le top. Eto en 6J, le X qui triple, 44. Lux en G5, le X en pivot pour faire XI, 44 également. Ici, sur un N, on aurait pu faire Luna Park. Pas de... Enfin, il y a un N, mais il n'est pas bien placé. Punk à 50, Dunk à 48. Alors du coup, oui, je ne vous ai pas dit, il y a deux petites lignes en bas qui défilent. La première, c'est quelques mots issus de la partie qui me semblent intéressants à retenir. Et puis la deuxième, c'est une série de mots qui sont inspirés d'une série de mots, où ça dépend des cas, hein, ça dépend des jours. Là, ça peut être une règle, ça peut être un tirage, ça peut être une famille de mots. Là, c'est une série de mots qui se termine par NK, jusqu'à 8 lettres, même 9 lettres, puisqu'il n'y en a pas en 9 lettres. Donc jusqu'à 9 lettres, le maximum c'est 8 pour cette terminaison NK. Et puis je vous ai mis quelques ajouts, par exemple le fun qu'on peut mettre un Y derrière. Tank, T-A-N-K, on peut mettre un A derrière. Et les deux mots de 8 lettres avec NK à la fin, ce sont Chipmunk et Mytrank. Et donc là, les sous-top sur ce coup, donc on avait dit Dunk à 48, Parka à 41 en 6K et Krus, K-R-U-S au pluriel en O1 à 39. On s'approche de la fin. On a joué 24 points, on a retenu Valsa en bas en O1 en triple. Pour le même score, on avait en B2 deux solutions qui formeraient Radar et Adrar. Lavera, Lovera en N1, ça fait 22, tout comme Va en 3I, Vaudra en 3B. Il y en a encore plein d'autres, bon, je vous laisse les regarder. Hop. On s'approche de la fin. Couillon égalé par le top crayon. Couillon, c'est un jeu de cartes, hein. C'est pas un gros mot. Crayon à 30, les deux font 37. On a Caillon à 36, tout comme Tori, Troy, et c'est tout.
en 6K. Et puis à 35, on a Sion, Treillon et Youp en F9, F3, F10. Et enfin, on s'approche de la fin. Donc là, si on scrabble le pas, on a quand même possibilité de limiter un peu les dégâts avec 14 points, 24 points derrière, pardon, en triple flambant, flambante, flambard, voilà. Il y a flambate aussi, voilà. À 42 ou 45, selon qu'on utilise le joker ou pas. Et le top, c'est puiser, assez difficile, un double appui, vocabulaire courant, mais pas évident à construire. Et puis avec le W, on a News, One, enfin News à 41 qui est intéressant, le W qui triple. Et puis après, des petites solutions avec le W triple en appui, comme One ici à 33. Et enfin, le dernier coup, Watt, WATT. Ça fait 33 points sous top céda du verbe céder. Jolie place à 23. Voilà. On en a terminé pour le passage en revue des coups de la partie. On va passer maintenant aux définitions. Elles ne sont pas forcément dans l'ordre. Hein. Et puis, c'est une sélection. Donc, on a vu tout à l'heure Fablio, pluriel X, un compte en vers. L'éviter, le participe passé est invariable, se soulever par lévitation, donc n'écrivez pas, ne jouez pas l'éviter et eux. Mandéenne, adepte d'une religion gnostique du Proche-Orient. Huron, Huronne, un adjectif et un nom grossier, malotru, ou bien d'un peuple amérindien. Le mamba est un gros serpent venimeux d'Afrique. Zeta, avec ou sans D, la lettre grecque. Fouteux, fouteuse, un nom et adjectif familier, amateur de football ou joueur de football. Dunk au basket, c'est un smash. Valser, c'est un verbe transitif, hein, donc on peut l'écrire ee, exécuter une danse comme une valse. Dîner, c'est à la fois un nom masculin et un verbe au participe passé invariable, donc on peut écrire dinners forcément, et mais pas de dîner, dinee. Couillon en Belgique, c'est un jeu de cartes. Vélite, dans l'Antiquité romaine, c'était un soldat d'infanterie légère ou soldat de Napoléon Ier appartenant à une école de cadres. Donc là, on n'est plus dans l'Antiquité romaine, a priori, hein, pour la deuxième définition. Neuvième, nonidie, jour de la décade dans le 9e jour, pardon, de la décade dans le calendrier républicain. Le médimne, dans l'Antiquité grecque, une mesure de capacité. Ergatif en linguistique, un cas indiquant l'agent, donc il n'y a pas de ergative. Hein. Estafier, un valet armé, un vieux terme. Vince, désordre, familier. Zoïde, en botanique, c'est une cellule, c'est un nom masculin qui désigne une cellule flagellée ou ciliée. Fœtal, fœtal, relatif au fœtus. Crew, d'un peuple du Libéria et de Côte d'Ivoire, KRU. Pacole, un béret de laine porté par les Afghans. Parka, nom masculin ou féminin, manteau court imperméable. Caillon, avec un Y ou Itréma, c'est un nom familier pour désigner le cochon. Feulé, participe passé invariable, crier pour le tigre ou grogner pour le chat. Et puis on revient à Fabliau. Voilà, mais écoutez, merci d'avoir suivi cette partie et son décodage. Je vous invite, si vous avez passé un bon moment, si vous avez appris 2-3 bricoles, ce que j'espère, à vous abonner à la chaîne, à en parler autour de vous, à la faire connaître. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Allez, on est samedi, donc je vous souhaite un bon dimanche. Et puis, à lundi. Allez, ciao, ciao. Portez-vous bien.